De toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Salut, on est arrivé quelque part dans le Negev, dans une base. En fait, on n'est pas dans une base, on est dans un kibbutz, un grand hangar avec les kinés du cœur et tous les soldats qui vivent là pour quelques heures. Je vous montre. Voilà, donc là, c'est l'installation des kinés. On est où là ? Explique-nous un petit peu ce qui se passe. Alors là, on est au kibbutz Mishmar HaNegev. Ok. On a une trentaine de Khayalim qui sont sortis hier de Gaza. On passait 2 mois dans Gaza. En fait, là, on est avec la Sayeret de Shirion, la Sayeret des tankistes. Et on repart demain. Donc, ils avaient une fenêtre de tir, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Donc voilà, nous on est venus, on est une vingtaine, kiné, octopathe, podologue, tout ce qui est thérapie manuelle, et voilà, on commence à s'occuper d'eux. D'accord, et comment c'est venu l'idée de faire ce groupe de kinés du cœur ? Écoute, c'est venu le 10 octobre, 3h du matin, insomniaque, j'ai posté un post sur Facebook en disant voilà, je suis kiné qui veut venir avec moi voir des soldats. Au moment où je le pose, je ne sais pas où je vais, avec qui, comment, pourquoi. Et aujourd'hui, on est 150 à peu près sur le groupe et on est 80 actifs. Vous tournez en fait. Et on tourne, voilà, on tourne à chaque fois entre 20 et 40 en fonction des bases et du nombre de soldats. Et voilà, 2 fois par semaine, on va au nord, au sud, dans le chambre, partout on nous appelle. Vous êtes tous bénévoles. Donc vous amenez vous-même, votre expérience, vos mains et votre matos. Alors nous, comme je le dis souvent, on ne sait pas faire la guerre avec des armes, on sait faire la guerre avec nos mains. Donc voilà, nous, nos armes, ce sont nos mains. On vient, on a nos tables de kiné, on a nos crèmes, nos huiles, etc. etc. J'ai réussi à faire financer 10 tables par des dons, il y a quelques semaines maintenant. Et voilà, maintenant, les dons qu'on récolte, ça nous permet de payer notre autobus. Justement, voilà, là, on parle de l'autobus. Comment, voilà, les gens, ils veulent financer l'autobus ou autre chose? Alors, le plus facile, c'est d'aller sur votre page Facebook. Les kinés du cœur. Ou sur ma page perso. Je mettrai une surimpression, les kinés du cœur avec les liens. Ou sur ma page perso. Okay. Fabrice Alphonse sans le A, donc HLFON. Ouais, la petite erreur, faut contacter. C'est volontaire. Non, c'est volontaire. Ah, c'est volontaire. C'est volontaire. Okay. Et en fait, là-bas, vous avez tous les liens. On peut obtenir des reçus CERFA en France. Okay. On peut recevoir des Safe 46 ou 50, je ne sais plus comment ça s'appelle. En Israël. Le bon, ouais. Et pareil, aux États-Unis. On a 3 associations en fait, qui nous parrainent. Et qui permet aux gens de faire de la déduction fiscale. D'accord. Alors dis un petit mot à ceux qui regardent, en les regardant dans les yeux, par rapport à ton action. Eh bien écoutez, il suffit d'écouter les soldats. Les soldats nous disent merci, même si moi j'ai horreur de ça, et chaque fois qu'ils me disent merci, je dis non, c'est nous qui vous disons merci. Nous on est là, avec nos petites mains, voilà, là on est dans des conditions un petit peu spartiates. Mais comme je dis, nous ce soir on dort chez nous, eux ils dorment ici. Donc voilà, si vous voulez nous aider, ça aide vraiment les soldats. Ça les aide physiquement évidemment, mais même moralement, c'est vraiment une fenêtre sur l'extérieur qu'on leur offre pendant quelques heures. Ils nous parlent de nous, ils nous parlent de vous, ils nous parlent des donateurs de France, du monde entier, d'Israël, etc. Et j'aime répéter cette phrase parce qu'elle est vraiment significative. Un soldat nous a dit il y a quelques semaines maintenant, on est tous les maillons d'une même chaîne. Il y a les soldats devant, les bénévoles, les civils qui donnent de l'argent, les civils qui offrent des barbecues, les civils qui offrent des caleçons, etc. Voilà, on est tous, en tout cas, on est tous les maillons d'une même chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, on a besoin de vous. Génial. Allez, les kinés du cœur sur Facebook, Fabrice Direct ou autre, je mettrai tous les liens. Merci Fabrice. Merci allez, à toi. Va, merci. Vous allez masser, j'allais dire on va masser, mais ils vont masser. Merci Thierry. Tu peux m'expliquer rapidement ce que tu fais? C'est du moxa qu'on fait chauffer sur l'aiguille d'acupuncture qui va donc réchauffer la zone.
il y a un blocage lié à une stagnation. Ah, ce que je vois dedans, c'est la peau ? Là, c'est la peau qui a été aspirée, créée un vide entre la peau et le muscle. D'accord. Et également aspirer le sang. Et ça fait quoi comme l'effet ? Ça fait quoi ? C'est un effet relaxation, tout simplement, en relaxant. Bon, à la vidéo, on n'a pas l'odeur, mais ça sent super bon. Ouais, ok. Bravo, c'est génial, ça. Bravo. תודה רבה לסיונה ולקניה דוקיר על התמיכה שאתם נותנים לנו ללוחמים, אנחנו מאוד מעריכים ובאמת עם ישראל איתכם, תודה רבה. תודה רבה לציונה ולקניה דיקור כן, על הפינוקים ועל האהבה והטיפולים שכולנו מקבלים מפה. המון 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 תודה מפלסר 4, אוהבים אתכם ומעריכים מאוד מאוד. Merci beaucoup pour Tiona et le kiné de corps, pour le massage, pour l'acupuncture et tout. Vous êtes génial. Merci. Yonatan, tu peux dire quelque chose en hébreu, c'est bon. Merci beaucoup à tous. À le massage, à la tournée de la à la colle. Merci beaucoup à tous. Merci, merci à Israël Chai. Merci. Bon, tous les soldats, ils sont ravis. Ils nous disent qu'ils n'ont pas de mots pour expliquer comment c'est le pied. C'est le pied. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas en montrer plus. Vous avez compris l'idée. C'est juste extraordinaire. Merci à tous les donateurs qui ont permis de financer le bus des kinés du cœur. Je vais vous mettre à la fin de la vidéo, pour les Israéliens qui veulent faire des dons aux kinés du cœur, le numéro de téléphone pour faire un virement par bit. Je mettrai aussi d'autres informations pour ceux qui sont peut-être de France, qui veulent faire des virements et aider les kinés du cœur à continuer leurs actions. Ils font ça deux fois par semaine en tout Israël. Merci beaucoup. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube et Facebook. Si vous avez aimé, si vous voulez soutenir la vidéo, mais surtout les actions, vous likez, vous partagez, vous commentez. Et mot de la fin, c'est Am Israël Chai.